Hello à tous, c'est Coach AD et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vais te donner pour moi le meilleur petit-déj à prendre, peu importe le lieu, les circonstances, etc. Pour moi, c'est le meilleur petit-déj avec tous les macronutriments qu'il faut pour passer une très très bonne journée et avoir surtout de l'énergie, pas être fatigué, pas avoir des coups de mou, des fringales, etc. Donc, si tu veux tous les tips pour connaître le meilleur petit-déj qu'il te faut, c'est dans cette vidéo. On entend vraiment tout et n'importe quoi sur les petits-déj avec beaucoup de règles. Il faut manger salé, il faut manger protéiné, il faut manger ci, il faut manger ça, il faut pas manger ci, il faut pas manger ça. Au final, on est un petit peu perdu sur tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faudrait manger. Alors qu'en fait, c'est vraiment très très simple. Déjà en 1, t'as pas à choisir sucré ou salé. Tu peux prendre sucré et salé par exemple, ou même que sucré ou même que salé. Il n'y a pas vraiment d'importance tant que dans ton petit déjeuner, il y a tous les macros dont tu as besoin. Donc déjà en 1, si tu veux faire vraiment un petit déj optimal pour toi, connais tes macros. Mais admettons que tu les connais, maintenant on va parler de ce qu'on peut mettre dedans et le rôle que chaque aliment va avoir. Allez, on attaque. Premier aliment, première chose à mettre dans ton petit-déj, le petit-déj, peu importe le lieu, peu importe tout, il te faut une hydratation en 1 non sucré. Donc, que tu peux boire de l'eau, tu peux boire du thé, tu peux boire de l'infusion, tu peux boire du café, mais quelque chose de brut, quelque chose sans sucre. Donc, si tu prends du jus d'orange, si tu prends du cappuccino, si tu prends des choses comme ça, ça, c'est des choses exceptionnelles. Tu ne peux pas prendre sur un petit-déj quotidien. Si tu veux, tu cherches à perdre du gras pour un petit-déj, prends quelque chose de neutre que tu vas pouvoir utiliser 1000 fois. Donc, ton hydratation neutre, sans sucre, c'est déjà archi cool. Derrière, il va te falloir des protéines. Donc, tu les prennes sucrées ou salées, peu importe, il va te falloir des protéines. Donc, tu peux retrouver par exemple dans l'avoine, dans les œufs, dans du bacon, dans du skyr, des choses comme ça. Moi, je vais te donner mon petit déj idéal à la fin de cette vidéo, mais là, je vais te donner de comment on peut composer son petit déj idéal. Donc, tu dois prendre une base de protéines importante. Elle doit être égale ou plus importante que ta base glucidique, donc que tes céréales, par exemple, ou ton pain. Donc, vraiment, mise beaucoup sur les protéines le matin. Car on est carencé de la nuit et du coup le corps va se recharger en énergie et là on va aller taper dans les protéines. En 3, on va prendre une base glucidique parce qu'on va pas vouloir qu'on grignote, on va pas vouloir avoir des coups de barre, donc on va prendre une base glucidique rapide. Donc par exemple des biscottes, de l'avoine, de la farine, tu vas pouvoir faire des pancakes, des choses comme ça. Et d'ailleurs, opter pour des pancakes, par exemple, ça peut être une très très bonne idée si tu mets pas trop de farine, sinon là, t'as une grosse base glucidique qui peut empiéter sur le reste de ta journée. Mais il peut y avoir beaucoup d'aliments précieux dedans, soit beaucoup de protéines déjà. Ça t'évite de faire une galette, par exemple, ou des choses comme ça, et c'est archi bien. Donc, protéines, obligatoire, glucides, obligatoire, boissons, obligatoire, donc base... hydrique obligatoire, plus une base lipidique. Tu peux avoir par exemple du beurre de cacahuète, du chocolat, de l'avocat, bref. Et en fait avec tout ça, tu vas pouvoir vraiment faire des micmacs comme tu souhaites. Encore une fois, que ce soit sucré, salé ou même les deux, tu peux jongler et prendre par exemple une tartine avec un petite avec du saumon ou de l'avocat parce que ça monte très très vite au niveau des calories, mais là t'as toutes tes bases et derrière manger peut-être un fruit, un petit yaourt, quelque chose comme ça. Ça passe très bien, c'est pas ce que je fais moi, mais ça pourrait complètement rentrer dans tes besoins. Moi, mon petit déj idéal et que je fais vraiment, mais alors vraiment de partout et que pour moi il fonctionne très bien, peu importe le lieu, peu importe le temps, peu importe où, et je me lasse jamais, c'est l'omelette. Je me fais 4 œufs, non, 2 œufs complets plus 2 blancs. Et derrière, je me mets 2 petites biscottes, donc je fais revenir à la poêle, je touche, je fais revenir à la poêle.
et ensuite des petites biscottes, deux biscottes à côté que j'étale, soit par exemple si je veux plutôt sucré, je vais mettre du beurre de cacahuète ou des bananes dessus, du skyr, des choses comme ça. Ou si je veux salé, en fait vu que mes deux bases sont neutres, ma biscotte est neutre et mon omelette est neutre, je mets soit du sucré, soit du salé. Et en fait, si tu composes ton petit-déj avec des bases neutres, tu vas pouvoir le changer régulièrement sans changer ta base protéine et glucidique. Parce que le plus dur à faire dans un petit-déj, en fait, c'est de trouver sa base protéine. Et moi, je sais que les œufs, ça me convient tout à fait. Et j'ai pas envie de changer. Par contre, j'ai parfois envie de changer sucré, salé. Je peux pas tout le temps manger la même chose. Des fois, ça me saoule. Donc, avoir deux bases neutres, franchement, moi, ça m'a vraiment, vraiment changé la vie. Et là, en ce moment, je fais mon omelette avec des œufs, toujours. Mes petites biscottes complètes, toujours. Et derrière, je me mets, là, je suis au soleil. Donc, pour de vrai, je me prends beaucoup, beaucoup de fruits frais à côté, etc. Et un carré de chocolat noir. Mais quand je sais que je suis à Grenoble, donc là, en ce moment, il fait beaucoup plus froid, je prendrai toujours du sucré. Mais je prendrai une banane avec du beurre de cacahuète, des choses plus réconfortantes, entre guillemets. Alors que là, je vais prendre de la pastèque, du melon, des myrtilles, etc. Donc, c'est en fonction du temps, des humeurs, de ce que tu as envie. Mais par contre, si j'aurais voulu faire un petit-déj salé, j'aurais pu tout à fait opter pour mettre du sel, du poivre dans mon omelette. À côté, me prendre un morceau de truite, mettre sur ma tartine, enfin mes pains grillés, mes petites biscottes, et mettre un peu de skyr en dessous. Et j'aurais eu tous mes apports également. Et avec des graines de chia notamment, ou sinon des petits fruits secs dessus. Enfin voilà, des fois on se casse vraiment trop la tête, alors qu'en fait c'est vraiment simple, c'est très simple. Moi je ne cuisine pas, je fais que de l'assemblage, donc pour de vrai tu peux tout à fait te faire un putain de petit déj très très simplement. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura aidé et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, n'hésite pas à me partager bien sûr ton petit déj, à bientôt.